soleil chaque jour. Je suis votre frère Jean-Sylvain Kouala. Temple pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Seigneur et au travers duquel Dieu nous utilise dans le ministère des chants. Et nous avons mis sur le marché donc cet album Trop près de la frontière, dont les clips sont désormais sur le marché que vous êtes en train de découvrir. Je vous demande de consommer cela sans modération parce que cela ne vous fera aucun mal. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai résolu librement sans contrainte de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement sans contrainte de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Mais un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui vole au hasard? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'avion puisse voler. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui fait que la voiture puisse rouler. Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'univers vive en harmonie. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui commande à la sève de descendre et de monter. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui commande à la mer de ne pas inonder la terre. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui commande au soleil de se lever et se coucher. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Elohim, le Dieu créateur. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le Dieu créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là, il a encore rajouté: si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tout ce malheur? Il ne s'est pas arrêté là, il a encore rajouté: si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tout ce malheur? Ces tremblements de terre qui provoquent des tsunamis, tout
toutes ces guerres, ces famines ici-bas. Cela cause des victimes innocentes, mais dans le cœur de ton Dieu, n'y a-t-il pas de pitié? Alors moi j'ai dit, tout ce que tu as cité est une preuve pour moi que Jésus est vivant. Alors moi j'ai dit, tout ce que tu as cité est une preuve pour moi que mon Dieu est vivant. Car au jour de sa chair, il a prédit tout cela par sa parole infaillible qui ne passe jamais. Car au jour de sa chair, il a prédit tout cela par sa parole infaillible qui ne passe jamais. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Moi je sais qu'il est vivant. Et oui, Jésus est vivant. Entré dans mon cœur et a changé toute ma vie. Et moi je sais qu'il est vivant. Et depuis lors il est entré dans mon cœur et a changé toute ma vie. Et moi je sais qu'il est vivant. Et depuis lors il est entré dans mon cœur et a changé toute ma vie. Et moi je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant, c'est lui le Dieu d'Abraham. Jésus est vivant, le Dieu des apôtres. Jésus est vivant, le Dieu des prophètes. Jésus est vivant, le Dieu de l'Isgalibali. Jésus est vivant, le Dieu de Moïse Kumbi. Jésus est vivant. Mon roi est vivant. Jésus est vivant. Moi je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant. J'ai observé la vie d'un drogué. Il consomme de la drogue dans sa vie. Cela produit dans son corps des hormones de dépendance, à tel point qu'il ne peut plus s'en passer. J'ai observé la vie d'un drogué. Il consomme de la drogue dans sa vie. Cela produit dans sa chair des hormones de dépendance, à tel point qu'il ne peut plus s'en passer. Mon bien-aimé, ma sœur bien-aimée, tiens-toi dans la lumière de Jésus-Christ. Cela produira en toi une hormone céleste et tu ne pourras plus jamais en passer. Mon bien-aimé, ma sœur bien-aimée, tiens-toi simplement dans la lumière de Jésus-Christ. Cela produira en toi une hormone céleste et tu ne pourras plus jamais en passer. Tu ne pourras plus jamais en passer. Tu ne pourras plus t'empêcher de le louer. Tu ne pourras plus t'empêcher de le glorifier. Tu ne pourras plus t'empêcher de le servir. J'ai observé la vie d'un buveur. Il consomme
de l'alcool dans sa vie. Cela produit dans sa chair des hormones de dépendance, à tel point qu'il ne peut plus s'en passer. J'ai observé la vie d'un buveur qui consomme de l'alcool dans sa vie. Cela produit dans sa chair des hormones de dépendance, à tel point qu'il ne peut plus s'en passer. Mon bien-aimé, ma sœur bien-aimée, tiens-toi simplement dans la lumière de Jésus-Christ, mon sauveur. Cela produira en toi une hormone céleste, et tu ne pourras plus jamais en passer. Même si la parole te condamne, tiens-toi simplement dans la lumière de Jésus-Christ. Cela produira en toi une hormone de vie, et tu ne pourras plus jamais en passer. Tu ne pourras plus jamais en passer. Tu ne pourras plus t'empêcher de le louer. Tu ne pourras plus t'empêcher de le prier. Tu ne pourras plus t'empêcher de le glorifier. J'ai observé la vie d'un fumeur qui consomme du tabac dans sa vie. Cela produit dans sa chair des hormones de dépendance, à tel point qu'il ne peut plus s'en passer. J'ai observé la vie d'un fumeur qui consomme du tabac dans sa vie. Cela produit dans son corps des hormones de dépendance, à tel point qu'il ne peut plus s'en passer. Et toi mon bien-aimé, ma sœur bien-aimée, tiens-toi simplement dans la lumière de Jésus-Christ. Cela produira en toi une hormone céleste, et tu ne pourras plus jamais en passer. Mon bien-aimé, ma sœur bien-aimée, tiens-toi simplement dans la lumière de Jésus-Christ, mon sauveur. Cela produira en toi une hormone céleste, et tu ne pourras plus jamais en passer. Tu ne pourras plus jamais en passer. Tu ne pourras plus jamais en passer. Tu ne pourras plus jamais t'en 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 passer. Et donc, j'aimerais ici, au travers cet appel que je lance, vous inviter à vous procurer ce DVD, de telle sorte que cela soit parmi les éléments qui vous emmèneront dans la présence du Seigneur. Et à travers ces clips, cet album, je crois que
Dieu vous bénira avec des chansons comme Trop près de la frontière. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Si c'était à refaire, que sa volonté, dialogue avec un incrédule, le bien-être universel, le dernier mot. Je crois que tous ces titres-là regorgent des bénédictions particulières que le Seigneur vous destine. Le micro du soleil couchant a le réel plaisir de vous présenter les couleurs d'arc-en-ciel tabernacle du passeur Lys avec Jean-Sylvain Akwala Temple dans Trop près de la frontière. Que le Seigneur vous bénisse richement à l'écoute de ces mélodies. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a trompé. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a trompé. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Mais moi je te dis, mais moi je t'apprends. Tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh, oh, oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Tu as oublié que Dieu existe toujours. Une vraie et totale séparation entre les ténèbres et la lumière, entre la foi et l'incrédulité. Mais toi, si tu y es tombé, mon bien-aimé, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh, oh, oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Alléluia. Si tu restes, toi mon bien-aimé, en plein au beau milieu du pays, que Satan arrive jusqu'à toi, il doit passer par les trois étapes: la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et là, il devient ton bien-aimé. Il ne pourra plus causer des dommages. Et toi, si tu y es tombé, ma bien-aimée, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh, oh, oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Yeah, mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Souvenez-vous de notre mère Ève, qui n'aurait pas dû s'arrêter et prêter attention au discours de l'adversaire qui s'était incarné dans le serpent. Voilà pourquoi il y a des cœurs brisés
Voilà pourquoi la mort s'est infiltrée. Elle a dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Mais moi je dis qu'elle est allée trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Souvenez-vous de cette jeune dame qui arrêta de danser au cabaret. Mais un jour, elle eut le désir de repasser par où elle dansait. Elle n'a pas compris comment c'est arrivé. Elle s'est retrouvée dans les bras d'un païen avec un esprit de chauve-souris. S'était incarné dans sa chair. Elle en était dans quelle la raison. Mais bien aimée, elle est allée trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh, mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Reste donc dans la parole. Tu es allé trop près de la frontière. Toi chrétien frontalier, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé près de la frontière. Oh, oh, oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois nous ne voulons que sa volonté, quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois nous ne voulons que sa volonté, ainsi moi je désire. Sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire en ma vie. Plaça dans une corbeille imbibée de bitume et le mit sur un lac plein de crocodiles, plein de crocodiles. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger. Mais à la fin du chemin, le grand libérateur d'Israël, d'Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté,